Salut les tubos, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau jeu indé développé par un seul dev que j'ai rencontré sur Discord et je voulais promouvoir son jeu parce que vous allez le voir dans la bande-annonce déjà pour commencer. C'est un amour qui porte à Zelda et il l'a fait dans ce sens-là. C'est plutôt réussi, c'est pas mal, pour un premier jeu en tout cas, qu'il a fait vraiment tout seul. Eh bien, même si ça manque légèrement encore d'optimisation, mais je compte sur lui pour continuer à développer tout ça. Je vous invite déjà dans un premier temps à regarder la bande-annonce, vous allez voir, et puis ensuite on voit le jeu. C'est parti. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez quand même orienté Zelda, hein. On peut pas se tromper quand même, de toute façon. Évidemment, à moindre mesure, hein, parce qu'il est tout seul à avoir développé le jeu, et franchement, encore une fois, moi je vous encourage à encourager les devs qui se lancent comme ça dans l'aventure, c'est eux qui nous font les petites pépites, généralement, franchement, et puis ça change des jeux un petit peu bourrins. Donc dans les options, on est donc en 800p, qualité des textures, on va déjà mettre moyen. Voilà, on va pas utiliser le FSR 2 parce que moi je l'utilise pas ni dans les jeux dev ni dans d'autres jeux de toute façon. Et on va commencer une nouvelle partie, au moins pour que vous puissiez voir un petit peu comment se déroule le jeu. Vous allez voir, il y a une petite histoire aussi, c'est très sympa, c'est bien recherché. En fait, le mec, il s'est vraiment cassé le cul, hein. Franchement, voilà, je le dis, hein. Je le dis, je le répète, je le dis franco. Donc, c'est un travail bien acharné qu'il a fait, tout seul surtout. Donc, c'est sur son temps libre aussi, c'est pas son boulot, c'est pas un développeur. Et c'est assez hallucinant, comme pour Critics, par exemple, avec Maze. C'est incroyable ce que les gars sont capables de faire tout seuls. Donc imaginez, je sais pas, il aurait 2-3 personnes de plus. Putain, il aurait fait un truc de taré. Franchement, je le dis. Vous voyez, voilà, regardez. On est vraiment dans du pur univers à la Zelda.
Alors encore une fois, je le dis, ça manque peut-être un petit peu d'optimisation encore, mais il est dessus, il est sur son jeu, il y va, il y retourne, il modifie, il améliore, etc., etc. Au début, son jeu faisait chauffer la console, maintenant ça va mieux. Avant, il n'y avait pas le FSR, maintenant il y est. Bref, il l'améliore, on voit, moi je le vois en tout cas, hein. Ça sauvegarde automatiquement, c'est plutôt bien foutu. Il y a aussi plusieurs choses qui sont à prendre en compte, comme par exemple le jour et la nuit. Voilà, il y a un cycle. Il y a des petits villages comme ça qui sont super sympas à visiter. Les musiques, c'est ça s'entend, hein. C'est un amoureux. C'est un amoureux du jeu vidéo. J'adore, j'adore. Je sais pas si on peut entendre encore plus la musique. Pur RPG. Saint RPG. Un jeu d'aventure. Voilà. Alors, c'est certes, faut pas. C'est certes pas un grand Zelda. Il faut pas s'attendre à un grand Zelda. Mais franchement. C'est pas sympa, ça, sans déconner. Voilà. Donc. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de quêtes, l'aventure elle est quand même assez longue, et parfois vous avez des petits puzzle games aussi à l'intérieur, bref, c'est assez complet. Voilà, tu gagnes une nouvelle compétence, tu peux désormais ramasser les objets avec la touche Left Control Manette B. Bon, là du coup c'est manette B, donc il a même pensé à ceux qui jouaient avec un clavier, donc ce qui est plutôt cool. C'est plutôt sympa pour ceux qui ont un clavier et qui veulent jouer au clavier, hein, parce que évidemment, vous pouvez jouer aussi au clavier souris. Alors, pour ceux que, par exemple, ça dérange de passer de 30 à 60 FPS, alors ça, c'est l'inventaire, toc, si je me trompe, vous pouvez toujours jouer avec Tiens, par exemple, on va essayer. Tiens, on va essayer un de ces FSR2. Tiens. On va essayer, parce que ouais, c'est vrai que ça peut être voilà, ça peut être sympa. On va voir, est-ce que ça change grand-chose? Surtout pour les jeux indés. Moi je dirais que ça doit être peut-être plus efficace sur les jeux indés. Mais vous voyez encore une fois, on se promène, voilà. On est à 40 FPS, avec des petits drops, etc. Mais bon, voilà, c'est rien de méchant. Au fur et à mesure de l'aventure, vous allez aller récupérer des armes, des items. Vous allez pouvoir améliorer votre personnage. Voilà, là, il faut trouver des pommes pour Régis, par exemple. Donc, on va aller se balader dans la forêt. Ah, faut chercher, hein, faut chercher, hein, les gars. Hein, faut sortir les doigts. Ouais. Ah, on a une musique quand on est à l'intérieur de la ville. On a une musique quand on est à l'extérieur. C'est super sympa. Franchement, regardez, encore une fois. C'est sympa. Ah, après, il faut trouver des pommes. Hein. Les pommes. Voilà, sans se faire attaquer. Là. Parce que pour l'instant, mon pauvre, hein, j'ai rien. Alors ça, c'est pas des pommes, attention, faut pas se tromper. Voilà, en voilà une. Wouhou! Bah oui, mais là, faut pas que je me fasse attaquer là. J'ai besoin d'y aller tranquillement. Voilà, et j'appuie sur B. Tiens, ça vous fait penser, hein, à quoi ce petit bruit là? Vous avez plusieurs endroits, puis vous avez aussi. Vous voyez, de l'autre côté, là, on pourra y aller une fois que tout sera débloqué ici. Une fois qu'on aura déverrouillé l'aventure ici, on pourra aller de l'autre côté. Donc, encore une fois, c'est assez sympa. Alors, moi, vous voyez, bon, là, j'ai utilisé le FSR, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi je préfère par exemple baisser au niveau des options. Alors attention, encore une fois, je vous le dis, ça va être optimisé avec le temps, mais on peut mettre sur bas. Là, vous voyez, bon,
les ombres, hop, et on peut mettre qualité des textures en bas, par exemple, où ça va pas faire spécialement changer la donne, on va dire, ça va pas changer la donne. Vous pouvez aussi régler le volume de la musique. Bref, vous pouvez faire quelque chose d'assez sympa quand même. Voilà. On est toujours entre 30 et 40 FPS, ce qui est quand même, ça va, c'est appréciable. C'est juste le framerate qu'il faudra qu'il améliore, mais ça devrait pas tarder, je pense. Encore une fois, si on pouvait soutenir les développeurs comme ça, indépendants, franchement, c'est super cool. Voilà. Le jeu, il est dispo. Foncez sur le store de Steam, en plus. Voilà. Regardez, on se promène. Bon, là, je fais exprès de me promener dans la ville. Hein. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu les environnements. Mais vous avez bien vu, de toute façon, dans la bande-annonce, c'est une bande-annonce que le dev a fait lui-même, qui est bien plus parlant que moi, ce que je vous montre. Voilà, vous avez des intérieurs aussi. Vous pouvez rentrer dans les maisons, dans certaines maisons, en tout cas. Et après, bah, il faut chercher. Voilà, il faut se promener, chercher, être curieux. Vous aurez donc tout un tas d'objectifs. C'est plutôt cool, quoi. Voilà, je veux dire, c'est un jeu, vous vous prenez pas la tête. Vous jouez tranquillement, quoi. Avec les petites musiques qui va bien. Et tranquille, pépère, là. Et je crois qu'il y avait un truc à faire, là. Aussi au-dessus. Mais si, ça se met en route. Et puis, vous devez sauter. Voilà, temps restant 60. Voilà, vous avez plein de mini-jeux comme ça. Bon, je vais pas le faire. Je vais pas tout faire. Parce que sinon, je vais pas tout vous montrer. Je vais pas tout vous spoiler non plus. Quand même, c'est à vous de découvrir cet univers qui est vraiment super sympa, coloré. Et vraiment, dans l'ambiance, moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est joli. Alors après, malheureusement, je ne peux pas jouer à tout, tout le temps. Voilà, vous comprenez bien que là, entre les Harry Potter, les Dead Space, etc., donc je prendrai du temps pour jouer à celui-ci et pour m'avancer un petit peu plus. Pourquoi pas vous refaire une séquence de gameplay, hein, voilà, pourquoi pas, dans un live, par exemple, ou autre. Un live spécial 1D, par exemple, avec Miles, avec celui-ci, puis bien d'autres. D'ailleurs, parce que j'ai d'autres jeux indés, même si je ne suis pas jeu indé à fond, bon voilà, je trouve que bah, ça fait du bien de voir des gens qui s'investissent comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, c'est assez sympa, c'est cool, c'est tranquille, ça mange pas de pain, puis voilà, et tu bosses, hein, ça fait grandir le jeu vidéo. Moi, je trouve que ça fait grandir le jeu vidéo, tout simplement parce que les gens qui développent tout seuls des jeux, ça mérite vraiment un profond respect. Encore une fois, vraiment. Là, le mec, il s'est décarcassé, franchement. Je sais même pas comment il a fait pour faire tout ça, là, en même temps. C'est hyper chargé. Je sais pas comment il a fait. Alors, bien sûr, je devais chercher les pommes. Alors, vous vous doutez bien, j'en ai trouvé qu'une, j'ai pas cherché spécialement. Mais voilà, il faut chercher, il y a des quêtes, plusieurs petites quêtes, etc. Et puis voilà quoi. Voilà les tubos, donc si vous voulez, foncez. Voilà, un petit jeu, Edge of Albuvia. Et voilà, je voulais faire une petite aparté sur ce jeu, surtout en termes de 1D, avec Maïs. Parce qu'il ne faut pas oublier les jeux 1D aussi, voilà. Les jeux AAA, c'est bien. Mais les jeux indés, bah, c'est aussi bien. Il y a des petites pépites, encore une fois. Après, il faut fouiner, il faut chercher. Mais Steam est tellement grand que, de toute façon, il y a de quoi faire, hein, sincèrement. Voilà, YouTube, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, vous pouvez liker, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Bien sûr, le site internet puissancesteamdeck.com et puis tous les réseaux sociaux, Facebook, Discord, Twitch, bref, on est partout, donc rejoignez-nous. Allez, à bientôt les tubos. Ciao, ciao.